Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, bah, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo Mario Kart Tour. Comme vous pouvez le voir, le jeu qui vient de sortir, je sais même plus combien il est sorti de temps. Il est sorti ce week-end samedi, il me semble. Ou vendredi, enfin, je sais plus, bref, on s'en fout. Du coup, je voulais faire une petite vidéo dessus bah, parce que Mario Kart, c'est un peu mon enfance, j'ai envie de vous dire, même pour vous. Du coup, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. J'ai déjà bien commencé à torcher le jeu. Bah, je vais commencer par vous montrer mes pilotes. Donc voilà. Donc ça, je sais pas du tout si c'est tous les pilotes seulement ce qu'il y a. Ou alors s'il va y avoir après des autres personnages à débloquer. Enfin, en tout cas, j'espère, je pense. Ouais, c'est même sûr parce que j'avais vu Luigi et là, il n'y est pas. Donc il y aura des autres personnages à débloquer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les petits personnages. D'ailleurs, je vous remonte celui-là, c'est le meilleur. Enfin, le meilleur. C'est le personnage, je trouve, le plus stylé. Et j'ai réussi à le débloquer, je suis super content. Alors, ensuite en carte, voilà ce que j'ai. Ça, c'est pareil, j'ai débloqué des cartes assez rares. Enfin, j'en ai débloqué un. Ça, celui-là par exemple, vous gagnez dans une course. Après, il y a beaucoup de cartes que vous gagnez dans des courses et des personnages, c'est pareil, hein, vous inquiétez pas. Donc, après aussi, il y a bien sûr les pay to win, hein, vous pouvez voir. Donc là, 21,99€, vous vous rendez compte, pour gagner un personnage Mario, un ticket étoile, des rubis, c'est un peu l'arnaque, hein, vraiment. C'est comme les courses. Les courses, je vais vous expliquer après tout simplement. Donc là, c'est les ailes. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là, je vais vous lancer. Ben, on va lancer une course tout simplement. Tout simplement. Hop. Donc là, je suis ici. Donc comme vous pouvez le voir, comme je disais, il reste. J'avais regardé tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est que des récompenses. Avec les étoiles que vous gagnez en faisant des courses et les défis. Et sinon en coupe, en fait il me reste plus que 3 coupes et enfin j'espère qu'ils vont rajouter des courses. Parce que en gros là il me reste plus que 3 coupes et j'ai terminé le jeu. Allez, donc on va se faire une petite course, on va prendre une ligne. Hop et là, ce petit véhicule 244, donc c'est lui le meilleur. Let's go. Donc là à droite c'est les badges, pour ceux qui ne savent pas. Ça se débloque pas tout de suite non plus les badges. Alors c'est parti, est-ce que je vais gagner? Hop. Donc là on fait un bon départ, nickel. Ah oui, je voulais aussi parler des commandes. Les commandes, je trouve c'est franchement c'est franchement pas de ce qu'il y a de mieux, hein. Franchement c'est le tactile. En fait ils auraient dû faire des commandes par exemple flèche droite ou bien deux flèches pour tourner plus précisément, non, je sais pas comment ça se dit. Là j'arrête pas de faire une course nulle, je suis déconcentré. Donc je disais, donc ça fait, ouais, je vais prendre la bombe, c'est ça, certains, merci. Alors là je vous propose un gameplay mais complètement pourri de chez pourri. Ah, ça m'arrange. Et donc je redis pour les commandes. Bon voilà, j'ai terminé. Pour les commandes, en fait ça marche, il faut slider son droit vers la droite ou vers la gauche et c'est franchement pas pratique, pas pratique du tout. Alors combien de points? Super, j'ai fait moins qu'avant, c'est 0 0 0. Allez, on va changer de course, on va faire celle-là, on va prendre une loser, c'est le meilleur, ça c'est le meilleur voiture, et voilà. Allez, let's go. Je vais me concentrer un maximum, et comme ça, je vais essayer de vous proposer un meilleur gameplay. C'est parti, c'est parti.
voilà, je n'ai pas parlé, donc je finis troisième, c'est déjà mieux. Ah là là là, c'est un peu... Enfin, après, je suis en 200 CC. Ça, je sais même plus si je vous l'ai dit. Il faut payer 5 euros par mois pour jouer en 200 CC. Ça, c'est pareil, c'est inadmissible. Enfin, de toute manière, c'est juste qu'ils font, ils font comme ils veulent. Mais je trouve ça, franchement, pour avoir une course qui soit plus rapide, payer 5 euros par mois, c'est un peu l'arnaque. Là, non, vous inquiétez pas, j'ai pas payé. C'est juste que c'est gratuit pendant 2 semaines, donc profitez-en bien des 2 semaines gratuites, parce que après c'est niet. Vous voulez payer, mais moi je ne paierai pas, ça c'est clair et net. Allez, donc on va finir cette petite course là et après bah, je vais vous laisser là-dessus. Attention aux obstacles, blablabla. J'ai rien compris, j'ai pas le temps de dire, merci. Allez, allez, je crois qu'il faut pas percer les bonnes, si je comprends bien. Donc là vous voyez c'est super lent, donc ça en gros c'est, du, c'est des courses 50, les premières courses, et c'est hyper lent, c'est très bon. Et voilà qui est fait. Bon, malheureusement j'aurais pas les 3 étoiles là. Je me suis pris un petit crâne qui m'a gêné. Hop, un de pièces. Est-ce que j'ai débloqué une coupe? Je ne pense pas. Ah si, j'ai débloqué celle de la coupe BD Peach. Bon bref, du coup bah je vais vous laisser là-dessus les amis. Je vais vous laisser là-dessus et puis bah, dans une prochaine vidéo, soit moto, soit gaming. Et laissez des commentaires, les pouces bleus et abonnez-vous, c'est gratuit. Ciao, ciao!